Bonjour tout le monde pour ce live de concept art illustration. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Roland Sarvary et Sylvain du coup de l'Institut Artline. Donc du coup, comme pour toutes les présentations, Roland qui est notre mentor, je te laisse te présenter et puis ensuite Sylvain, tu présenteras ton projet et voilà. Bon bah Roland, je te laisse la parole. Merci, bonjour. Alors, je m'appelle Roland Savary-Tabaro. Je travaille dans l'animation et dans le jeu vidéo. Ça fait à peu près 25 ans que je fais ce métier. Ça commence à faire beaucoup. Donc, je suis directeur artistique actuellement chez Ubisoft. J'ai bossé dans pas mal de studios en France et quelques-uns à l'étranger. Voilà à peu près mon profil, et effectivement, je suis mentor chez Artline et j'ai la chance de rencontrer des élèves talentueux comme Sylvain. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de mon profil. Donc, si Sylvain, tu veux présenter ton Oui, projet, ben, on peut y c'est aller. possible. On est bon, je suis là. je vais me présenter un peu d'abord. Moi, c'est Sylvain Guittard, j'ai 22 ans et je suis diplômé d'Artline depuis juillet. Et là, je vais rentrer en master concept art illustration en alternance. Enfin, je vais le faire en alternance dans un studio qui s'appelle Andarta Picture à Valence. Et puis voilà. Très cool. Du coup, je veux bien que tu nous parles du projet que tu m'as présenté, que tu exprimes, enfin, tu développes et que tu expliques un petit peu ce que C'est tu as voulu faire. un petit projet perso. En gros, j'avais imaginé une tribu, en gros, qui serait un peu coupée du monde et qui elle serait au milieu de l'océan sur des maisons sur pilotis. Et en gros, tout ce que cette tribu voit dans le ciel, c'est des nuages qui se défilent et défilent à longueur de journée, qui sont de différentes formes. Et dans leur religion, dans leur mythologie, ce qu'ils ont décidé, c'était de. Enfin, ce qu'ils ont imaginé, c'est que les nuages façonnaient le monde, puisqu'en fait, ils voient les interactions entre les nuages et l'océan et la terre, et ça construit leur mythologie. Et donc, du coup, j'ai voulu faire des décors en fonction de cette thématique-là. Et puis voilà. D'accord. Alors, ce que Ça je me vais faire, semblait. c'est que je vais faire le partage d'écran, puis je vais présenter les images que tu as faites, et puis je voudrais bien que tu commentes un petit peu, et après je ferai une analyse par-dessus, si ça te convient. On fait comme ça. Allez, zoom. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ah, la beauté du live. Est-ce que vous voyez? C'est bon, Oui, on voit. je préférerais que tu me montres les recherches d'abord. alors attends, ouais, hop, tac, ça je le cache tout à l'heure, donc les recherches, hop, Je vois pas. je les vois pas, vous Non. voyez pas, Non, là, on voit pas. ah pardon, excusez-moi, je vais tout de suite corriger ça. Je comprends pas pourquoi. Excusez-moi, petit souci technique. Je vais Est-ce que tu as fait laisser. partager sur J'ai fait un sur écran ou sur peut-être que tu as image. deux écrans? Ouais, mais normalement, au partage. Et j'espère que cette fois-ci, vous allez le voir. Est-ce que vous le voyez? Je veux toujours l'image Non, visible. alors. Je crois que tu as partagé que cette fenêtre. Ah, c'est bon, je crois que. C'est bon? Ouais. Vous voyez? Ouais. Est-ce Attends, que tu peux mettre la j'agrandis. recherche? C'est exactement le même truc. Bon, c'est pas grave. Attends, les recherches, elles sont ici. Pardon, excusez-moi. Au départ, pour faire ce projet, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle des études, des studies de photos pour savoir où j'allais aller. Et donc, du coup, je voulais savoir comment j'allais faire les nuages. Et j'ai essayé plus ou moins plusieurs ambiances de nuages. Et ça me donne plus ou moins une idée de ce que je veux faire après. Ensuite, tu peux aller sur une image suivante, là où il y a plus les recherches de design.
Du coup, je me suis inspiré des maisons sur pilotis, enfin, qui sont au beau milieu de l'océan, et surtout de l'architecture indonésienne, que je trouvais plutôt cool, parce que, en gros, dans la façon dont l'architecture indonésienne est faite, elle ramène toujours vers le ciel, et donc, du coup, c'est ça qui m'intéressait dans cette architecture, c'est que les volutes et tout le reste, ça ramène vers le ciel, et ça pointe le ciel, en gros. Et l'idée d'avoir des maisons sur pilotis, c'est aussi qu'on pouvait faire dans différents angles de vue, on peut faire des rappels des nuages avec la réflexion dans l'eau et ça pouvait donner des images assez sympas qu'on voit pas encore, mais parce que c'est pas fait. Mais en tout cas, c'est plus ou moins l'idée. C'est vraiment une tribu qui est vraiment fascinée par les nuages et en plus elle est au milieu de l'océan, donc du coup il y a possibilité de faire pas mal de trucs graphiques par rapport à ça et voilà. Alors effectivement, donc est-ce que tu peux juste rappeler ton concept, s'il te plaît, par rapport aux images qu'on voit? En gros, c'est une tribu qui est un peu coupée du monde. Elle vit plus ou moins au milieu de l'océan. C'est une sorte d'archipel qui est autour et ils ont décidé de construire leur village justement au milieu de cet archipel. Et cette tribu-là, sa mythologie, elle est basée sur les nuages. Et en gros, les nuages, c'est comme des pensées divines ou des dieux qui façonnent l'eau. Et justement, alors le concept est chouette et les visus sont hyper intéressants. On sent que tu as une recherche de concept visuel. Alors moi, la remarque que je ferais, c'est que on a envie d'en voir plus. C'est-à-dire que ce que tu nous présentes, déjà, c'est plus axé sur le village en tant que tel, l'architecture. Ce qui est très bien en soi, parce que tu donnes déjà une direction et une orientation. Mais dans ton concept en tant que tel, tu nous parles beaucoup du rapport des villageois avec les nuages. Et pour le coup, je les vois pas trop, quoi. C'est-à-dire que tu as fait des recherches d'ambiance comme. Alors attends, je vais essayer de les retrouver. Voilà. Tu fais des recherches qui sont très cool en termes de colo, etc. Et c'est hyper intéressant. Et c'est vraiment de la gueule, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Moi, en fait, le bémol que je mets, c'est qu'après, dans ta recherche d'environnement pur et dur, on n'a pas le rapport nuage-environnement. Et du coup, ce qui aurait été cool, c'est que même dans tes recherches, de pouvoir attaquer directement avec quelque chose qui met en valeur les nuages. Et par exemple, là, tu as ce plan-là. Ce C'est plan-là, plus oh, un plan c'est un estable plus pour sur le l'île. village. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Et le. Vas-y, vas-y, je t'en prie. t'aurais préféré que je mette plus l'accent sur le rapport entre les Ouais. nuages et le Surtout village. que, en plus, tu dis quelque chose qui est vachement intéressant, c'est que tu dis que tu avais envie de faire jouer esthétiquement la réflexion des nuages dans l'eau. Et bah, typiquement, c'est ça que j'avais envie de voir là, tu vois. Oui. Et voilà. Et le truc, c'est que je pense que là, tu pouvais faire un Insta, tu vois, par exemple, le village en petit perdu au milieu de l'océan et donner un impact et faire un diviser ton image en trois, c'est-à-dire deux tiers le ciel, un tiers l'eau et le village, et taper un gros sketch colo sur les nuages et quelque chose genre un coucher de soleil ou une nuit qui tombe avec très ambiancé où on mettait en avant les nuages pour le coup tu avais toute ton idée générale, tu avais ton village aussi dans son environnement global. Et tu avais une image qui était beaucoup plus finalisée et qui expliquait enfin, tout ce que tu viens de dire, tu l'avais en une image. Et voilà, et c'est en fait ça que j'attendais pour le coup. Après, en soi, techniquement, les designs, tous tes petits crobars, tes recherches 3D, etc.
tes premières bases de colo, c'est super intéressant. Alors moi, j'avoue que j'aime beaucoup les refs jetés comme ça. C'est vraiment super, on comprend plein de choses. Il y a une belle... la colorimétrie est belle. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, c'est un vrai boulot pro. Il n'y a rien à dire. Mais voilà, j'aurais aimé sur l'exé en tant que tel, ou en tout cas sur le design en tant que tel, que tu aies un Insta avec plusieurs ambiances, justement, de nuages, de coucher de soleil, lever de soleil, des gros nuages. Et on aurait expressément compris, voilà, du gros, bon, gros nuage comme on les aime, et on aurait tout de suite compris ton concept. Ouais, okay. Alors que là, on sent que tu es encore dans une phase de recherche et qu'il y a besoin d'encore taper des images. Et le but que toi, tu vas avoir dans ton environnement professionnel, c'est que quand toi, tu dis, tu vas présenter quelque chose à un réal, à un producteur, aux gens avec qui tu vas travailler, les gens ne sont pas dans ton cerveau et n'ont pas tes images. Et donc, toi, il faut que tu sois hyper efficace et donc percutant. Et voilà. Donc, c'est vraiment la remarque générale que je ferai. Sur le reste, tes refs 3D, tes refs 2D design sont très cool. C'est vraiment très chouette. C'est du boulot sérieux, de qualité. Pareil, alors vraiment, tes petits sketchs, continue à faire des petits sketchs comme ça, des moodboards, ça se voit. Ça se voit. J'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup l'interprétation aussi. Donc du coup, on le ressent. En tout cas, on le ressent. C'est vraiment chiadé. Et justement, c'est justement d'autant plus quand je vois ça que je me dis, j'aurais eu un concept plus poussé avec tu vois, ton idée de réflexion, par exemple. Ça, là. Mais... la réflexion des nuages dans l'eau ou quelque chose de... Tu vois, tu cherches, on sent qu'il y a de la couleur. Là, on a envie de se dire, bon... fais-moi un truc finalisé là, tu vois, ces nuages là, on les voit pas assez, quoi. C'est trop abstrait là pour moi. Ouais. Moi, je veux autre chose, quoi. Ok, oui. Bah, c'est... Voilà, tu vois, je m'emballe, mais c'est ça, hein. faut y aller. Quoi. Et d'ailleurs, alors du coup, je regardais, attends, je sais pas si j'ai les... sous la main, je trouve, parce que comme j'avais regardé ton ArtStation. Et je trouvais typiquement, alors j'espère que vous le voyez. Vous le voyez ? Oui, on voit. Ok, super. Je trouvais, alors ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as présenté comme concept, mais pour le coup, cette image-là, et autant dans le concept et dans la créa et dans le design, hyper réussi. Merci. Voilà, c'est-à-dire que là, on imagine bien ce que tu as voulu nous dire, ce que tu as voulu exprimer, la gamme de colo, elle est belle, le design hyper stylisé, il est très cool, et souvent, le hyper stylisé est très dur à faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bah, je suis beaucoup inspiré de Yun Ling, qui fait des images vraiment, vraiment cool. Et ça se voit, mais... Voilà. Et ça marche, c'est super efficace et c'est très dur de synthétiser. Donc, je veux dire, la maîtrise technique, tu l'as, l'idée est là. Ouais. Et j'aurais aimé voilà, avoir, pas ce terme de design et tout, mais ce même retour par rapport à tes concepts. Ouais, voilà. Okay. Voilà, c'est globalement ce que j'avais envie de dire sur ton boulot, qui reste de qualité et... qui manque juste un peu de temps. Il aurait fallu un peu de temps supplémentaire pour finaliser le truc, mais c'est très cool, quoi. Voilà. C'est bien. Je crois que j'ai rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est que j'espère qu'on aura l'occasion de voir la finalisation de ce projet. J'espère aussi. Voilà. Non, j'ai pas d'autres éléments supplémentaires. Si tu as d'autres choses à dire ou à exprimer par rapport à ça. Après, c'est surtout mon ressenti vis-à-vis de comment j'ai fait le projet. Des fois, on se perd, quand on fait un projet, on se perd souvent parce qu'on se met trop de barrières ou qu'on s'en met pas assez. Et je pense que dans cette image, je trouvais la compo cool. Donc, du coup, j'ai voulu l'exploiter à fond. Mais finalement, c'est,
Quand on expecte trop un truc à fond, et ben des fois on oublie que c'est pas forcément c'est très, très pertinent. C'est ça. Et voilà. En fait, il faut toujours penser, et c'est la difficulté, c'est l'une des difficultés de notre job, c'est que on n'est pas dans la tête des gens et il faut arriver à. Et le plus dur, en fait, c'est que techniquement, tout au long de l'année, vous apprenez des nouvelles techniques, des nouvelles approches, vous avez plein d'outils qui permettent de faire des choses fabuleuses. Mais il ne faut pas se laisser, je le dis souvent dans les sessions, il ne faut pas se laisser manger par l'image qu'on fabrique. Ce n'est pas elle qui commande, c'est vous qui commandez. Et du coup, souvent, on a tendance à tâtonner, à tourner, à chercher. Et le travail peut-être le plus compliqué, hormis la technique, c'est d'arriver à synthétiser à quoi sert cette, qu'est-ce que nous apporte la technique et comment elle peut nous aider à aller vite et fort et sortir des images qui sont parlantes tout de suite. Et typiquement, ce que tu as fait là, c'est un peu le résumé de ce que on apprend. C'est comment éviter de se faire manger par son travail, ne pas hésiter à arrêter, à recommencer ou à stopper, se dire ah, tiens là, il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est un travail de soi avec soi. Avec soi. Ouais. Et c'est sûrement un des trucs les plus compliqués à gérer. Mais avec l'expérience, là où tu vas, je pense que tu vas vite comprendre les réalités du métier et que justement tu vas équilibrer ton temps de création avec un temps d'efficacité, quoi. Ouais. J'ai hâte. et tu vas te régaler, quoi. Donc voilà, chapeau. Voilà, j'ai plus grand chose à dire par rapport à ça. Voilà, j'ai hâte de voir une image finale dès que tu as quelque chose. Ouais, bah je t'enverrai. Super, merci. Ah, parfait, merci Sylvain pour ce magnifique projet. C'est vrai que avec un peu plus de temps, on aurait aimé voir beaucoup plus d'éléments parce que c'était super intéressant et le concept est vraiment génial. Mais bon, bah écoute, tu nous le communiqueras, on le mettra en avant sur les réseaux sociaux.